La plupart des gens ignorent que les camions au gaz naturel comprimé ou GNC n'ont pas besoin de systèmes anti-pollution complexes pour respecter les normes environnementales. On élimine donc l'urée et le filtre à particules, aussi appelé DPF. Mais au-delà de sa simplicité mécanique et des émissions réduites, il se démarque du diesel par son prix très avantageux. En Amérique du Nord, Cummins est l'unique motoriste pour camions lourds offrant des moteurs au GNC. Vendus par votre concessionnaire et installés à l'usine, ils sont offerts en plusieurs configurations, incluant le tout nouveau 15 litres. Le moteur GNC est doté de bougies d'allumage, réduisant le niveau sonore et facilitant le démarrage hivernal. Cette technologie est très bien adaptée à la collecte de matières résiduelles, mais elle n'y est pas exclusive. Elle génère beaucoup d'économies pour plusieurs autres applications, spécialement pour les semi-remorques à deux ou trois essieux sur route dédiée et parcourant un kilométrage annuel substantiel. Plus on roule, plus on économise. Les camions au GNC offrent une autonomie intéressante vu la variété de configurations des réservoirs et le nombre de stations publiques qui ne cessent d'augmenter. Certains camions peuvent parcourir plus de 900 km avec un seul plein. Contrairement aux croyances populaires, le remplissage est très sécuritaire, plus facile pour le chauffeur, ne requiert aucune certification ou équipement spécialisé et la durée de remplissage est similaire à celle d'un camion au diesel. Il est important de mentionner la sécurité entourant le GNC. Les réservoirs sont extrêmement résistants, certifiés à travers des normes strictes de fabrication. Leur enveloppe de fibres de carbone résiste aux impacts importants ainsi qu'aux températures et pressions très élevées. Le gaz naturel n'est ni toxique ni corrosif et il est plus léger que l'air. En cas de fuite, il ne s'accumule pas au sol, il demeure gazeux et se dissipe dans l'atmosphère. Cette fuite serait rapidement détectée grâce au mercaptan, une substance ajoutée au gaz dont la seule fonction est de générer une odeur facilement détectable. En plus de son faible coût et de la stabilité de son prix, soulignons le faible impact environnemental de ce carburant alternatif. Par rapport au diesel, le gaz naturel comprimé émet 90 % moins de particules et 90 % moins d'oxyde d'azote. Dans sa version traditionnelle, le gaz naturel émet 30 % moins de carbone que le diesel. Produit à partir de déchets organiques, le gaz naturel renouvelable, ou GNR, est écologiquement plus performant, allant jusqu'à annuler 100 % des émissions de carbone. Le moteur au gaz naturel réduit également la pollution sonore, étant 10 décibels plus silencieux que son équivalent diesel. En plus d'être vert, le gaz naturel est facile d'utilisation, il est sécuritaire et surtout, il est économique.